projet de délimitation et de matérialisation des limites des communes du Bénin et leurs unités administratives, une préoccupation du gouvernement. C'est sur ce thème qu'ont échangé ce 10 juillet le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, les membres de l'Association nationale des communes du Bénin et ceux de la Commission nationale des affaires domaniales. Son secrétaire permanent a rappelé à l'assistance l'urgence de cette assise. L'Assemblée nationale a interpellé le gouvernement sur la situation dramatique à laquelle se trouvent confrontées les populations à la base, situation caractérisée par les nombreux conflits de limites entre les communes qui, depuis l'avènement de la décentralisation, agitent notre pays. Pour instaurer une paix durable, le gouvernement a donc décidé de se saisir de ce dossier qui a échoué en 2009. Ainsi, cette année 2018, l'exécutif a inscrit au programme d'investissement public PIP au budget du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale un crédit de 500 millions destiné à réaliser l'étude de faisabilité du dit projet. Le ministère de la décentralisation a, en autre action, déjà organisé le 6 mars dernier une réunion avec les ministères sectoriels. Laquelle rencontre a abouti à la mise en place d'un groupe technique de travail qui a fait les diligences nécessaires ayant abouti à sélectionner 3 cabinets parmi lesquels sera choisi un pour réaliser l'étude de faisabilité du projet. Toutes ces démarches ayant été effectuées, il ne restait plus qu'au ministère de la décentralisation de discuter avec les principaux acteurs et bénéficiaires que sont les maires du Bénin. Ces derniers, après une communication sur le dossier, ont chacun apporté leur contribution. En somme, ils sont prêts à accompagner le gouvernement, a déclaré Luc Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Déjà au niveau des quartiers, on est incapable de connaître les limites. Au niveau des arrondissements, encore moins. Au niveau des communes, n'en parlons pas. Nous leur avons dit que notre souci est que le travail se fasse réellement. Parce que ce n'est pas aussi facile comme travail. Ça nécessite beaucoup d'attention, ça nécessite beaucoup de doigté. Je veux encore remercier au gouvernement, monsieur le ministère. Et je prends l'engagement que les maires, les élus locaux, à tous les niveaux, les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement et les maires joueront leur partition pour que nous puissions régler cette question pour de bon. Quant au ministre de la décentralisation, Barnabé Dasigli, il s'est réjoui de l'harmonisation des points de vue et assuré la bonne conduite du projet. À partir de maintenant, nous sommes en phase et nous allons travailler la main dans la main pour que les bonnes solutions soient trouvées à ces problèmes, à ces conflits qui ne permettent pas à nos collectivités territoriales d'évoluer dans des conditions normales. Et sur ce mot, je voudrais déclarer clos les travaux de notre rencontre de ce matin. Il faut encore merci beaucoup. La séance est levée. Autorités centrales et décentralisées se sont donc inscrites dans une même dynamique pour éradiquer les conflits qui naissent de la non-limitation des communes.